Jodian a présenté par la presse bilan quelques parmi opérations avec arrestation que la police effectuée sorti 23 pour arriver 26 juin 2021. Tout d'abord, on a commencé par arrestation de Dumel Innocent, 39 ans, et Luxon Jessius, 21 ans, que la police a arrêté limbé le 23 juin 2021 en possession d'un arme à feu de calibre 3.80 et de série 70-842 plus mon chargeur qui a 3 cartouches là-dedans. Donc actuellement, le dossier SARO est en cours de traitement dans la section départementale police judiciaire. Ensuite, nous voulons parler de deux arrestations que la police fait au niveau de Saint-Raphaël. Michel Guétine, 26 ans, et Josué Jean, 22 ans. Deux messieurs SARO, c'est deux mouns qui sont sortis pour le prince dans la zone d'Elmarvin et qui a fait partie de base 400 Maroso, donc qui a fui pour le prince pour venir serrer dans le département de Nord. Donc actuellement, le dossier est en cours de traitement tout, en attendant que vous voyez le bail de CPJ. Et ensuite, nous avons vu dans l'opération ça que la police fait samedi matin 26 juin 2021 à hauteur de Nanzongi, ville Cap-Haïtien. Donc, objectif à l'arrestation ça, c'était pour déloger un groupe de bandits qui était localisé dans la zone. Le groupe de bandits, ça y est. Et c'est des gens qui commettent un pile d'actes dans la population, tels que des actes d'assassinat, incendie, association de malfaiteurs, et ils ont même fait des kidnappings, selon l'information que nous avons. Donc, après un pile plainte que nous avons recevoir de la part de la population, donc la police est notre opération pour aller déloger. Et là, la police arrivée sous lieu, aux environs de 5 heures du matin, les bandits qui semblaient être des gens qui étaient montés la garde pour eux, ils ont ouvert coup d'armes sur la police. Et ils ont fait un bon bout de temps à trouver les cognos, à tirer beaucoup d'armes à la police. Et maintenant, par suite d'opération, ça, la police constatait que il y a 7 individus qui sont mortellement blessés. Donc, en compagnie du juge Samuel Philippot, qui a fait constat, la police était ouais avec les honnêtes et tout, et ils étaient. Maintenant, pendant le constat a fait, il y a un groupe de bandits qui a positionné un point stratégique dans le monde, pour nous un lieu qui est presque inaccessible. C'est à pied les policiers qui sont arrivés là. Et ils ont commencé à tirer sur la police. Ils ont tiré un pile coup d'armes sur la police et la police était obligée de désengager. Donc, pendant un petit temps, pour lui retourner sur cette scène de crime par la suite avec l'autre unité, telle que des unités de la mairie, etc. Et c'est là que la police est retournée pour nous. Il constatait que 6 parmi 7 suspects qui étaient mortellement blessés, ils ont boulé. Bon, selon les premières informations qui viennent de nous, c'est à part des gens dans la population qui ont un problème avec ça, qui ont mis du feu sur ce site-là et qui ont fait ça. Donc, direction départementale Nord, la police ouvre une enquête pour déterminer dans quelles circonstances que du feu ça a été mis sur ce site-là. Et donc, dans la même opération, ça, la police a saisi 3 armes à feu et un fusil de calibre 22 et puis 2 armes créoles que nous avons gardé là. Ensuite, la police saisit 66 cartouches que nous avons là. Et dans 66 cartouches, là, nous avons 47 cartouches de calibre 5.56 mm. Nous avons 11 cartouches de calibre 7.62 mm. Et nous avons 2 cartouches de calibre 12. Ensuite, 3 cartouches de calibre 40 mm. Et 3 cartouches 38 plus 1 chargeur 9 mm. Et la police saisit tout, un festival, on l'a vu avec un carnet de banque sur le site. Et deux suspects, c'est Sinclair Wilson qui a 20 ans et Justilien Gilbert qui a 25 ans. Et en janvier 2021, il y a une dame gros ventre qui a les chachou, ainsi connu, qui a madame l'autre chef de gang qui a un problème avec eux. Et le 3 juin 2021, tout, il était boulé en bus dans Carrefour, cette phénomène. Donc, c'est des nègres qui ont pris le bar. Bon, et espace côté bandits, yeah, c'est seulement bandits qui habitent l'espace. Ils ont construit des ajoupas, et puis ils ont été dans l'ajoupas. Et les gens qui ont arrêté dans la zone côté pour monter côté, ils ont mis les gens en dehors dans la carrière. Mais pour qu'on y ait, la police mettait toute la zone sous contrôle avec des patrouilles. Et qui a fait régulièrement pour la population en confiance. Mettre les zones sous contrôle, monsieur l'inspecteur divisionnaire, qui ça veut dire, puisqu'ils sont dans une zone qui n'a pas accès facile, comment va tout ça? Est-ce qu'il y en a où on a cherché tout?
Oui, la police gagne un peu de bandits que la continue à chercher. Et mettez ça sous contrôle, je dis, pour nous faire partie régulière dans l'axe qui a accès pour monter dans la zone. Puisque les bandits ont été en l'air dans la tête de mais ils ont opéré en bas pour descendre. Donc si il y a une patrouille qui fait dans la zone, ils ne sont pas à l'aise pour monter. Et la police, donc, suite à l'information, il a fait opération dans la zone pour déloger le groupe. Mais je voulais préciser que dans la zone, il n'y a pas seul côté qui a des bandits. Donc il y a plusieurs autres côtés toujours. Qui est bandit et que la police a travaillé sur le tableau ça pour résoudre le problème. Vous parlez de la chose par bandit qui est construit en l'état maintenant, qui t'a détruit ou bien boulé. Dis-nous c'est combien il y a. Ensuite, vous dites tout, la police est repliée dans un premier temps, c'est après nous venons retourner. C'est dans l'intervalle que nous sommes repliés, nous avons une information qui dit non, nous, la population a boulé. Cadavre bandit qui est tombé, première fois nous avons intervenu. Qui chance qui gagne pour le monde dans la population qui a intervenu pour vos actes ça? Oui, dans la mesure où il n'y a pas connu, qui quantité de bandits gagne dans la zone véritablement? Bon, et normalement, la police pas sous lieu, je ne peux pas répondre avec précision. Mais pas oublier, les bandits, il y a des gens qui ont fait un pile tour dans la zone, il y a des gens qui ont mis deux dans la caille, il y a des gens qui ont touillé, il y a des gens qui ont. Il y a un sonné à toute longueur de journée, qu'il y a un peu de problème avec eux. Et il y a un peu de temps à tirer cartouche avec la police. Donc il y a des gens qui attendent l'opération et qui t'absuivent probablement. Est-ce que là, vous voulez porter un démenti formel par rapport à des opérations qui nous disposent, qui dit que c'est la police qui a boulé les cadavres et ajoute pas autour? Non, la police n'a pas boulé les cadavres. Au contraire, la police n'a pas intérêt pour faire ça. Et comment c'est là? Pourquoi cadavres? Cadavre, t'es après constat, t'es remettre à la mairie qui t'a fait suivi pour le faire avec. Établi dans quelles circonstances que Caillou avec tout le monde boulet, mais pour nous joindre reste bandit autour. Donc enquête là en cours à la SDPJ et il va analyser pour bailler un résultat dans le futur très proche. 7 points qui boulet. En tout c'est combien de heures du matin et dans disons samedi. Et qui finit jusqu'à 4h de l'après-midi avec retour la police aussi. Bon, la police ouvre une enquête sur ça, donc nous ne pouvons pas capter trop de bagages pour pas entrer avec l'enquête qui est en cours là, et je pense que très prochainement, il va faire lumière sur ça. Est-ce que la police est dans le site TA, donc nous avons ce contrôle quand même, bon, même si c'est une enquête à prendre, est-ce que nous pas communiquer? Bon, grand pile d'informations qui arrivent chez nous, SDPJ a prêté l'information ça yo et a pourrait le plus rapidement possible qui mesure pour bon. Si vous avez une arrestation, vous faites dans le cadre de ça? Non, pourquoi vous avez une arrestation? Pour une mise en isolement? Non, non. Les policiers, ça nous parle de dire. Dans le cadre d'enquête là, vous continuez et jouez le monde pour le jeune. Mais en plein centre-ville, en pleine nuit, ça va interpeller nous comme autorité policière? Oui, et même j'ai un pile cas, ça a interpellé nous et nous avons fait tout ça capable pour nous mettre les bandits hors d'état de nuire.